Hey tout le monde, donc on est dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais réaménager le commissariat de police publique parce que ça fait des mois qu'il est, en bazar ou vide. Bref, donc ici vous avez Jean-Michel et Jean-Claude, pour ceux qui s'en souviennent, dites-moi si vous avez vu la vidéo sur eux. Bref, du coup, c'est parti, on réaménage ça ensemble. Et peut-être que Jean-Michel et Jean-Claude seront bientôt de retour. Bon, alors par contre, l'aménagement n'a pas vraiment changé, les amis. Je suis désolée à ceux qui s'attendaient à un nouvel aménagement. C'est un réaménagement, donc ça veut dire que je vais remettre comme c'était avant. Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière, je trouvais ça intéressant de vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemblait. En ce moment, je me souviens plus trop comment c'était. Donc il y a quand même quelques petites choses, on va dire, qui ont gros bougé en fait. Mais ça sera le même mobilier en tout cas. Donc pour ceux qui s'en souviennent, on avait un truc ici. Avec donc 100 chaises je crois. Par contre ici normalement on avait une chaise, mais je sais pas où elle est pour le moment. Donc on la retrouvera. Je la retrouverai plus tard. Ensuite du coup on a cette petite plante qui est donc juste ici, qu'il faut mettre. Donc je mets dans l'entrée. Ensuite on a une petite poubelle. Alors je sais pas si c'était l'inverse, et je pense qu'on va faire l'inverse parce que c'est plus joli. Donc une petite poubelle recyclable. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon, au moins c'est dedans. Ensuite, donc pour ceux qui s'en souviennent, on avait un petit truc comme ça qui faisait, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout à quoi ça sert, pourquoi la boule, il y a un petit fenêtre qui s'enlève et qui est hyper galère à remettre après. En ce qui me concerne, en fait les amis, ça sert simplement à faire ça pour que le prisonnier s'échappe, en gros. Enfin bref, c'est un petit peu toute une histoire. C'est vrai que c'est pas mon truc préféré en termes d'objets dans le commissariat, parce que je trouve que ça s'enlève. Enfin, ça se remet pas bien après. Mais bon, on continue un petit peu plus loin. Alors, je vais juste me mettre dedans. Vous allez me voir un peu bizarrement. Mais je suis désolé, mais je pourrais pas faire mieux. Donc, vous allez me voir placer comme si. Donc, déjà, on a une petite... Ok. Une petite corbeille de pain comme ceci. Qui va, du coup, derrière dans le truc. Alors, c'est... vous ne voyez pas, mais je vous montrerai de toute façon à la fin. On a ensuite la petite trompette qui j'avais aussi l'année dernière mis, je crois. Enfin, je crois, ça se trouve peut-être pas, mais il me semblait avoir mis un instrument de musique. Donc, du coup, voilà. Alors, je suis désolé si le focus se fait pas, hein. Je vois pas ce que je fais. Donc, ensuite, on avait une petite boîte de conserve. Donc, du coup, voilà. Attendez, on va quand même faire le focus parce que là, je vois qu'il est pas fait. Bref, donc, hop. Voilà, donc la petite boîte de conserve. Et du coup, cette petite boîte, elle va juste là. Bon, bref, elle est mal mise, n'est-ce pas? Ensuite, on avait un petit shampoing, comme ceci. Tout simple, tout basique pour prendre sa petite douche. Bon, même s'il n'y a pas de douche, mais c'est pas grave. On va dire qu'ils ont une douche, qu'ils sont bien traités quand même, hein, même si ce sont des prisonniers. Bref, du coup, voilà. Bon, le truc est tombé, mais c'est pas très grave. Ensuite, ils ont du coup un petit matelas. Bon, oui, il n'y a pas de matelas dessus, hein. Voilà. Donc, il nous reste du coup par ici tout ça. Donc, on a un petit ordinateur dont j'ignore où le clavier est passé, mais je vais le retrouver après. Enfin, du moins, j'espère. Ensuite, j'ai ceci. Donc, voilà. J'ai trois petits livres comme ça. Bon, c'est fait à la vite fait, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Et maintenant, on va peut-être essayer de retrouver ce qui nous manque. Et oui, aussi, j'ai oublié, on a une petite brique de lait. Voilà. Donc, ensuite, et là, je vais essayer de retrouver tout ce qui me manque, et je vais quand même rajouter des trucs parce que bon, sinon la vidéo n'a pas vraiment d'intérêt pour vous. Donc du coup je vais regarder et en fait il y a un peu rien. Ouais non les amis, on va laisser comme ça. Bon, je retrouverai les objets qui manquent à la fin de la vidéo, enfin après la vidéo. Et du coup voilà. Bon, et bien du coup voilà les amis, Jean-Michel et Jean-Claude sont super contents que le commissariat puisse rouvrir ses portes. Bref, du coup, voilà les amis. Ah non, ça c'est ma vie. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la refaire. Bref, je vous retrouverai bien sûr les objets qui manquent hors vidéo. Et du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.